Salut YouTube, salut la communauté, c'est Tony Rebeng, j'espère que vous allez bien, personnellement ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve, pas pour un tuto, pour vous. Quelle indignité. Bon, reprenons. Comme je le disais, aujourd'hui je vais pas faire une vidéo tuto ni conseil. Aujourd'hui je vais vous montrer mes attributs de Dragon Ball Xenoverse 2, donc les attributs que j'ai mis sur Dragon Ball Xenoverse 2, donc pour pouvoir vous les partager, parce que c'est un abonné qui me l'a demandé. Du coup je fais cette vidéo pour cet abonné et pour ceux qui veulent avoir mes attributs qui sont assez sympas et assez équilibrés. C'est parti, on commence tout de suite. Personnaliser, améliorer les attributs parce que sont celles qui sont tous là. Donc je suis niveau 95, j'ai pas réussi à monter jusqu'au niveau 99 parce que c'est long, ça prend beaucoup de temps. Et faire ça en 2 jours, c'est trop dur. Trop long et trop dur. Ok. Donc on commence avec la santé. Donc j'ai mis 40 points d'attributs pour la santé parce que pour moi, en jouant, c'est largement suffisant. C'est-à-dire que t'as ta première barre de jauge de santé, t'as ta deuxième, et ensuite là, t'as un peu de troisième à 40. Donc t'as une petite barre qui est comme ça, à peu près, de santé, en vert. Donc la troisième barre de vie qui apparaît de santé. Pour moi c'est amplement suffisant, ça sert à rien de bombarder la santé, sachant qu'il y a d'autres stats, pourquoi c'est intéressant de mettre des points d'attribut là-dessus, et pas sur la santé, parce que la santé, bon certes c'est important, mais en avoir trop, pas très important, et vaut mieux avoir plus sur des stats sur lesquels tu vas t'en servir plus, donc tu vas te faire mal, ou du ki, etc., que de mettre tout dans la santé, quoi, c'est pas logique. Donc maintenant on passe à la stat de ki. Donc le ki pour moi j'ai mis à 60 points d'attribut pour le ki, parce que pour moi le ki c'est vraiment quelque chose que j'utilise assez souvent en plus de mes attaques de base. Donc moi j'utilise constamment mes attaques de base avec le ki. Le ki c'est surtout pour la transformation, les attaques spéciales, les attaques ultimes. Ça dépend de votre stratégie, mais pour les attaques ultimes par exemple, il y a certaines attaques à Kikoa ou en super frappe, donc au corps à corps, qui va vous demander au moins 5 parts de ki, et 5 parts de ki c'est quand même énorme. Tout comme les techniques de transformation, comme le Super Saiyan bleu ou le Super Saiyan bleu évolué. Surtout le Super Saiyan bleu évolué qui prend énormément de ki, c'est à dire que vous allez vous transformer, vous aurez admettons 7 barres de ki sur 7, et quand vous allez vous transformer en Super Saiyan bleu, bah voilà. Vous allez diminuer en l'espace de 10 secondes, vous allez déjà être à 6 barres de ki sur 7, déjà. Donc avoir au moins 7-8 barres de ki, c'est assez utile. En avoir trop, ça sert à rien, parce que bah après vous faites que des attaques de ki quoi, ou des attaques spéciales. Vous jouez même plus au jeu, et c'est même plus intéressant, c'est même plus technique, c'est plus drôle du tout, quoi. À part pour certains modes de jeu. Ensuite, maintenant nous allons parler de la stat endurance. Donc pareil, j'ai mis 60. L'endurance c'est bien pour esquiver et les trucs d'évasion là, pour comme l'explosion spirituelle, le super saut arrière pour esquiver les attaques en utilisant 2 barres d'endurance pour être sûr d'esquiver l'attaque. Donc les techniques d'évasion j'ai trouvé. Donc pour moi 60 ça suffit aussi. En avoir trop ça sert à ça sert pas spécialement à rien, mais bon voilà, vaut mieux jauger et comme je vous ai dit, se servir des autres points d'attribut pour pouvoir faire mal, parce qu'il faut penser que certes avoir de l'esquive, beaucoup d'esquive, beaucoup de ki et beaucoup de santé c'est bien, mais si on peut pas faire mal derrière, ça sert à rien. Donc pour moi 60 de ki, 40 de santé et 60 d'endurance, c'est largement, ça vaut largement ce que ça vaut, donc voilà. Donc maintenant on passe à l'attaque de base. L'attaque de base j'ai mis 90. J'ai mis beaucoup parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le ki, l'endurance et la santé, pour moi j'ai mis que ce qu'il y avait à mettre. Voilà, donc ce qu'il y avait de suffisant à mettre. Et ensuite derrière j'ai mis 90 en points d'attribut en attaque de base pour pouvoir faire plus mal au contact. Surtout que l'attaque de base c'est ce que vous allez vous servir le plus souvent, c'est-à-dire que vous allez rush l'ennemi et l'attaquer avec beaucoup de points normal. C'est ça qu'il faut monter. Alors moi personnellement j'utilise assez souvent les attaques de base en mélangeant avec les Kikoa, etc., les attaques spéciales, mais les attaques de base c'est vraiment le truc que j'utilise le plus, et donc c'est pour ça que j'ai mis 90. Ensuite,
On passe aux super frappes. Donc les super frappes, j'ai mis 50. 50, normal. Donc c'est tout ce qui est des techniques comme la lame de rosé, par exemple, qui a une lame de ki rose, ou d'autres techniques qui est au corps à corps, comme les points de hit, etc. Ça, je l'utilise souvent. Pas H24 non plus, mais assez souvent, donc c'est assez normalement. Donc ça va, je diversifie entre les super frappes et les super kikwa. Donc c'est-à-dire que les attaques genre style Kamehameha et style hit. Donc je diversifie un peu des deux pour proposer un meilleur gameplay, et même pour moi c'est plus plaisant. Ensuite, la dernière phase, les super kikwa, j'ai mis 65. Bon, il me reste encore des autres attributs à gagner, je vais le mettre jusqu'à 70 à peu près, puis après je vais voir en fonction de ce qui me reste pour mettre. Je pense que je vais tout mettre après dans l'attaque de base, mais super kikwa c'est utile pour les super genki dama, la super nova de couleur, toutes les grosses boules de kikwa que vous envoyez qui va vers l'ennemi, comme la technique de Beerus, la sphère destructrice je crois que c'est, ou des trucs comme ça, le Kamehameha téléporté, le Kamehameha Kaioken x4, c'est la technique que j'utilise assez souvent. Pour moi, ça, c'est vraiment un truc que j'utilise principalement en attaque ultime, bien sûr. Donc, les super frappes, moi, j'utilise principalement pour les attaques spéciales. Mais super kikwa, c'est surtout pour les attaques ultimes. Donc, j'ai mis 65, je vais le mettre à 70. Mais pour moi, ça aussi, c'est très important. Donc, moi, pour moi, les plus importants, c'est attaque de base, super frappe, super kikwa. Pour moi, ces trois-là, c'est les plus importants, parce que si il faut infliger des dégâts à l'adversaire, et plus t'infliges de dégâts, plus c'est mieux pour toi et plus tu vas gagner dans tes combats. Donc voilà, donc ça c'est mes stats d'attributs. Moi je trouve que c'est assez équilibré quand on regarde sur le statistique global à droite. Là vous avez une vidéo carrément en grand, une image en grand de mes statistiques de base. Donc pour moi les statistiques de base, je le vois que c'est plutôt assez équilibré. Donc pour moi c'est intéressant d'avoir un truc qui est plus ou moins assez équilibré, et en même temps de pouvoir faire très mal derrière. Pour moi c'est assez important, et voilà. Bon bah du coup merci à toi, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que cette vidéo elle t'aura plu, j'espère qu'elle t'aura aidé et que t'auras pu voir mes stats. Donc moi je les ai trouvés bien, comme je l'ai dit, ils sont normales, équilibrés, on fait mal et en même temps on a ce qu'il faut pour se défendre, donc c'est cool. Et puis voilà quoi. Ouais voilà. Bon allez, je vous dis à très bientôt et à très très vite pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye YouTube.